Bonjour, je m'appelle Daniel Mars, agronome au service à la clientèle chez Dow Seeds. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation du semoir en prévision des semis. Après cette révision du semoir, nous sommes prêts pour cette étape importante dans l'atteinte de rendement élevé, soit un bon semis. Un premier point à surveiller, s'assurer que le semoir est au niveau dans les deux sens, dans le sens des rangs et d'un côté à l'autre du semoir. On peut prendre le niveau dans le garage ou dans la cour pour une première évaluation, mais il est très important de le reprendre dans les conditions au champ lorsqu'il est chargé de semences et de fertilisants et que les différents disques et roues sont en action. Il faut vérifier régulièrement la profondeur de semis et la population au champ. Si le point d'attache est trop bas, cela a un impact sur les unités de semis, à commencer par les disques ouvre-sillons qui vont faire un sillon trop profond comme s'il labourait au lieu de creuser un simple sillon. Les grains de semences risquent de tomber sur le sol remué plutôt qu'au fond d'un sillon à la profondeur désirée. Les roues de fermeture étant plus hautes vont moins bien faire leur travail. À l'opposé, si le point d'attache est trop haut, les disques ouvre-sillons vont faire un sillon moins profond, les grains de semences ne seront pas positionnés assez profondément et les roues de fermeture risque d'exercer une pression trop grande. Il est important aussi de s'assurer qu'on a une bonne pression de tous les pneumatiques sur le semoir. Il faut aussi soulever manuellement les unités de semis. On essaie de les brasser un peu pour voir si elles sont rattachées solidement. Dans le cas contraire, s'assurer que les boulons sont bien serrés. Cela est important pour maintenir un espacement uniforme entre les rangs. Un coup d'œil sur l'usure des disques ouvre-sillons. Par exemple, des disques de 15 pouces 9 devront être changés lorsqu'ils seront à moins de 14 pouces et demi de diamètre. Ces disques sont importants pour la profondeur du sillon. Il peut être difficile de bien mesurer le diamètre des disques. On doit alors les enlever pour s'assurer que le diamètre est adéquat. Concernant l'espace entre la base des deux disques ouvre-sillons, on devrait avoir un pouce et demi. Si l'espace est trop large, on va avoir une forme en W au lieu du V recherché qui serait idéal pour avoir un bon semis. Un autre point à vérifier, les roues de profondeur. On veut qu'elles tournent, mais pas trop facilement. Un autre point, pour les semoirs équipés de chaînes d'entraînement pour chacune des unités, il faut vérifier l'usure, les dommages et les fissures. Simplement lubrifier et s'assurer que la tension est correcte. On optimise ainsi la population par le nombre de grains et l'espacement entre chacun. Il faut aussi jeter un coup d'œil sur la pression des unités de semis, soit sur les ressorts conventionnels ou le système pneumatique. Encore une fois, il faut référer au manuel du fabricant. En conditions sèches, on veut une pression un peu plus grande pour que le grain soit placé à la profondeur désirée, et en conditions humides, on réduit légèrement la pression pour éviter un semis trop profond. Il est très important de prendre le temps de vérifier la profondeur de semis lorsque les conditions changent, soit votre type de sol ou l'humidité présente dans le sol. Le point suivant est le tube de descente de la semence. Le grain de semence passe par ce tube et en ressort entre les disques juste au-dessus du sillon. On veut que l'intérieur du tube soit propre et que le grain sorte du côté le plus long du tube. S'assurer aussi que les roues de fermeture tournent librement et qu'au sol, on a un espacement de 1 à 1 pouce et demi. Cet espacement doit être vis-à-vis de la semence et on ne veut pas qu'une des roues arrive directement au-dessus de la semence. Comme on l'a déjà mentionné, c'est important d'avoir une excellente émergence. On veut la population désirée, le bon nombre de grains, le bon espacement entre chacun des grains et aussi que chacun soit à la bonne profondeur. Je vous souhaite donc un bon semis.